Après 4 points sur ces deux premiers matchs, le LOSC accueille le PSG des Parisiens qui sont les seuls à avoir remporté leurs deux premières rencontres. Messi, Neymar et Mbappé sont titulaires. Côté Lillois, Ismaili et Diakité jouent sur les côtés. Yazici et David en attaque. Cabella est un absent de dernière minute. Les Parisiens espèrent continuer sur leur lancée et ils débutent le match de manière impressionnante. 2-3 passes pour trouver Messi. L'ouverture vers Kylian Mbappé qui n'est pas en jeu. 1-0 pour le PSG. Après moins de 9 secondes, Paris mène déjà 1-0. Le deuxième but de la saison pour Kylian Mbappé. L'un des buts les plus rapides de l'histoire du championnat. Paris a fait très mal sur cette séquence initiale. Les Parisiens qui continuent à aller de l'avant et à trouver beaucoup de solutions. Le mouvement entre Messi et Mbappé. Messi pour décaler Nuno Mendes. Nuno Mendes pour le centre en retrait. Et le ballon déposé dans le but par Léo Messi. Mouvement collectif de grande qualité qui permet à l'Argentin de marquer son troisième but de la saison. Paris mène 2-0 après 27 minutes et trouve encore des solutions de l'autre côté du terrain cette fois-ci. Achraf Hakimi avec Neymar. Neymar vers Achraf Hakimi. Le 1-2 a fonctionné. Le Marocain conclut l'action pour son deuxième but de la saison. 3-0 pour Paris à la 39e minute. Les Parisiens sont impressionnants. Et ça n'est pas terminé dans cette première période alors que Lille a beaucoup de mal à sortir de sa moitié de terrain. Nouvelle interception parisienne. Vitinha pour lancer cette action avec Messi. Neymar récupère le ballon dans la surface. 4-0. Et le premier but de Neymar dans cette soirée. Le quatrième depuis le début de la saison. Ce corner lillois ne donne rien. Et le PSG mène déjà 4-0 à la mi-temps. C'est un gros carton pour le PSG. Les Lillois ont eu beaucoup de difficultés à trouver des solutions et en seconde période, c'est un petit peu la même chose. Avec des Parisiens qui continuent à développer leurs actions, Christophe Galtier sans doute très satisfait du déroulement des événements à ce moment-là. Messi pour mettre ce ballon vers la surface, c'est mal repoussé, Hakimi intercepte, Mbappé laisse passer et Neymar récupère pour s'offrir un doublé à la 52e minute, 5-0. Pour le Paris Saint-Germain. Le score monte, mais Lille a le mérite d'essayer. Et Jonathan Bamba, en deux temps, réduit l'écart. 5-1 à la 54e minute. Le premier but de cette saison de Jonathan Bamba. Il bute sur Donnarumma, mais suit l'action pour adoucir un tout petit peu la peine du LOSC. Paris ne s'arrête pas de jouer, bien au contraire, à la 66e minute. Neymar donne à Mbappé la remise vers Neymar. Neymar a de la place et attend l'arrivée de Mbappé. Un double 1-2 conclu par l'international français. Le doublé pour Kylian Mbappé. Et un score de 6-1. Troisième but de la saison pour Mbappé. Paris ne s'arrête pas. Mbappé, Neymar et Messi terminent le match. Ne sont pas remplacés avant la fin de la partie. Ballon récupéré par Danilo, entré en cours de match. C'est vite relancé avec Neymar au départ. L'ouverture vers Mbappé. Kylian Mbappé essaye d'y aller tout seul et réussit à marquer le but du 7-1. Le triplé pour Kylian Mbappé à la 87e minute. Quatrième but de la saison pour Mbappé qui s'offre donc un triplé, deux buts et trois passes décisives pour Neymar. Un but, une passe pour Messi. Spectacle énorme et démonstration du PSG qui s'impose 7-1. Sur le terrain de Lille.